Bonjour, nous sommes le 7 octobre 2020 et regardez comme il est beau mon arbre. Bon, il est un peu mort, mais il est beau, hein. Bah, désolé, je m'égare. Nous allons remonter le temps au 7 octobre 1337 aujourd'hui. Alors, dans notre mère patrie qui est la France, je sais que plus personne ne dit ça, c'est bon. J'ai envie de le dire, c'est ce que je veux. Bref. En France, à cette époque, c'est un peu le bordel au niveau des rois. En fait, c'est con, ils décèdent tous les uns après les autres. Du coup, un peu compliqué au bout d'un moment de trouver un héritier. Mais il y en a bien, hein. C'est Édouard III. Alors lui, il est plutôt chaud, le truc c'est qu'il a déjà une couronne sur la tête et que cette couronne, c'est celle de l'Angleterre. Bon, à l'époque, on n'était pas copains-copains, et puis bon, avoir deux pays, ça commence quand même à faire un peu beaucoup. On va donc décider de mettre Philippe VI sur le trône. Édouard III accepte et va presque aller jusqu'à un peu lui lécher les bottes en lui disant « Oh, votre majesté, félicitations !» etc., etc. Et pourquoi il lui lèche les bottes? C'est tout simplement pour pouvoir conquérir derrière l'Écosse. Alors, le truc qu'il n'avait pas prévu, c'est que Philippe VI, lui, il protège le roi d'Écosse. Et du coup, à partir du 7 octobre 1337, la guerre de 100 ans, qu'on connaît bien parce qu'on sait tous qu'elle fait pas vraiment 100 ans, eh ben elle débute.